Red, fight! Tu comprends anglais? Vas-y, explique-toi en français. Too many guys are killing the ball at the breakdown. Il y a trop de monde. Plonge. Monsieur Alain Roland, l'arbitre irlandais version Europe pour recadrer les deux équipes. Premier acte, Toulon concrétise ses temps forts. Olivier Missoupe aplati suite à une conquête en touche. Juste avant la pause, le jeune talonneur Michael Ivaldi double la mise. Son premier essai européen pour sa première comme titulaire. 17-0, Toulon maîtrise. Avant de connaître une belle frayeur, car les London Irish, même réduits à 14, reviennent dans le match au point d'égaliser en 8 minutes. Grâce à cet essai, tout d'abord, de Chris Malone, puis un deuxième en force du pilier Corbisiero. Incroyable, 17 partout, Toulon est rejoint. Il faut qu'on garde le ballon, nos passes impossibles, ok. On garde le ballon, good tackle et on joue. On tient le ballon, on se calme. Des paroles aux actes, Felipe Contepomi se charge de relancer les Varois. Les appuis de l'Argentin piègent la défense. Cette fois, Toulon reprend les commandes du match et ne les lâche plus. Un sprint de Tom Ney, puis un slalom du Tongien Loamanou, 5 essais. 38-17, victoire bonifiée. Toulon s'installe sur le fauteuil du leader avant de recevoir le Munster. Ce type de match sert à parfaire notre apprentissage au niveau. On sait que c'est des matchs qui sont proches des matchs internationaux. Donc pour le groupe, pour l'ensemble de l'équipe et le club qui n'avait jamais connu un tel niveau de compétition, je crois que c'est bénéfique pour tout le monde. Le match décisif, ça va être le Munster. Si on les bat sans qu'ils prennent le bonus, on pourra espérer faire quelque chose. Mais sinon, ça va être compliqué. Le Munster battu chez les Ospreys, Toulon signe la bonne opération du week-end.